d'être présent à toutes et à tous. Et merci à nos invités d'être ici. Je ne vais pas les présenter parce que c'est Rassim Basfaou qui va présenter. Non. D'accord. Donc rapidement, pour présenter le projet, en fait, c'est que, voilà, comme vous le savez, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger a depuis longtemps, depuis sa naissance, en fait, privilégié l'orientation culturelle du Conseil et son intérêt pour, disons, toutes les œuvres en migration, toutes les œuvres de Marocains de l'étranger, et aussi dans leur rapport avec le Maroc, bien évidemment, et avec les créateurs marocains. L'actuel projet, en fait, il vient dans une espèce de cohérence dans l'ensemble de la programmation qui est celle du CCME cette année par rapport à ce qu'on a appelé un peu une programmation hors les murs et où on a essayé d'interroger, disons, l'actualité de la création en migration aussi bien par rapport à la littérature, mais pas exclusivement, parce que comme vous le savez, il y a eu aussi un certain nombre de musiciens, un certain nombre de réalisateurs, un certain nombre d'hommes et de femmes de théâtre, mais aussi une programmation de films. D'ailleurs, je vous invite ce soir à 19h30 à un magnifique film qui sera donné au cinéma La Renaissance, qui s'appelle Jean Genet, notre père des fleurs. C'est le dernier film, film posthume de notre chère Dalila Nadra, qui n'avait pas pu le terminer, et qui sera donné en avant-première nationale aujourd'hui. Je referme la parenthèse. Et donc, je disais, bien, en cohérence de cette programmation, il nous a semblé qui a vraiment privilégié, disons, les jeunes talents, essentiellement. On a éliminé les vieux cette année, on a ramené des jeunes, mais du coup, on s'est aussi souvenu des vieux et de ceux qui nous ont quittés essentiellement, en termes effectivement d'écriture et de littérature. D'où l'idée de consacrer un ouvrage à quatre pionniers de la littérature marocaine qui se trouvent avoir vécu en migration. Et donc, ça va être cela. Il y aura Dlech Shraibi, Mohamed Khairuddin, Mohamed Leftah et Edmond Amr al-Malh. Donc, ce sont quatre pionniers, effectivement, de la littérature marocaine, tout court, mais aussi qui ont vécu en migration. Et c'est un peu en cela qu'on les a réunis dans cet ouvrage. Mais c'est vrai qu'avec le président, Dlech Lietami, lorsqu'on s'est dit on lance cette affaire, c'est vrai qu'en même temps, on se disait après tout, qu'est-ce qui réunit les quatre ? Est-ce que le simple fait de vivre en migration, est-ce que c'est suffisant ou pas? Et à vrai dire, lorsque j'ai lancé l'appel à contribution à nos amis, qui sont plusieurs, puisque l'ouvrage sera constitué d'une vingtaine de contributions, mais aussi de biographies, bibliographies et des interviews, des entretiens, des photos aussi, à lire finalement les contributions, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses qui réunissent les uns et les autres que le simple fait d'avoir vécu en migration. Et à la limite, le simple fait d'avoir vécu en migration n'est pas si important que ça dans leur œuvre. Et c'est cela qui va ressortir, à mon avis, dans le livre, c'est que effectivement, ce sont des gens qui ont partagé beaucoup, beaucoup de choses, à commencer par le traitement de la langue, qui est quelque chose d'exceptionnel chez les uns et les autres, et qui est la relation au pays, par rapport aussi bien au fait de partir qu'au fait de revenir, et peut-être repartir aussi. cet attachement, effectivement, au pays, mais en même temps un attachement qui est, comme l'appelle d'ailleurs Hassan Ouhibi dans son document pour à propos de Khairuddin, qu'il appelle le double exil en face un petit peu de la double absence,
de Abdelmalek Sayad. Donc il y a des choses beaucoup plus importantes finalement qui réunissent nos quatre écrivains que le simple fait d'avoir vécu en migration. Et c'est en cela que vos contributions sont vraiment extrêmement riches, extrêmement diversifiées et démontrent précisément cette pluralité, si j'ose dire, d'attaches et de caractère de cette écriture. Alors, je voudrais bien évidemment remercier ceux qui sont présents. Je n'avais pas prévu de parler, mais lorsque je parle, je prends la parole trop longtemps. J'aimerais vraiment remercier Sana Rouati qui, malgré un emploi du temps extrêmement chargé, je l'ai harcelé à mort. Je peux vous dire, c'était la dernière à rendre sa contribution. Mais c'est vrai qu'elle avait un emploi du temps absolument démoniaque et je ne vous ai pas laissé beaucoup de temps, à tous d'ailleurs. Hein. Et donc, je tiens vraiment à te remercier parce que c'est vraiment tu as tenu à participer à cet ouvrage. C'est Mustapha Bouchir, bien évidemment, que j'ai sollicité assez tardivement d'ailleurs, à vrai dire. Et c'est vrai qu'il a été d'une réactivité absolument extraordinaire, puisqu'il a été l'un des tout premiers, par contre, à m'avoir rendu son texte. Bien évidemment, Qassem Basfaou, comment les avantages de la retraite. Notre ami Qassem Basfaou, bien évidemment, qui, malgré l'avantage de la retraite, m'a fait traîner un petit peu quand même. Mais c'est Qassem. Qassem, je connais bien, donc il n'y a pas de souci. Le lendemain du délai, tu fais bien de le dire. Hein. Mais absolument. Non, je savais que je pouvais compter. Non, il n'y a aucun souci là-dessus. Et Qassem a été bien sûr d'une aide fondamentale, puisque en dehors de sa contribution, il m'a facilité des contacts à propos d'Yel Drech Charebi, parce que Qassem, c'est Drech Charebi bis. Donc des contacts, mais aussi des photos, des outils pour la bibliographie, etc. C'est le cas aussi pour Abdallah Beida, qui est aussi bien évidemment spécialiste et alter ego d'Edmond Amr al-Malah. Lui aussi, je le remercie vraiment pour avoir facilité là aussi des contacts, mais qui a choisi de ne pas écrire sur Edmond Amr al-Malah, mais plutôt sur Mohamed Leftah. Je signale d'ailleurs que c'était à propos d'Yel Leftah également. Et la même chose qui a été d'une aide tout à fait évidente. Merci beaucoup, Abdallah. Et puis notre jeune poulain, Khalid Yemlahi, que je considère comme le meilleur critique littéraire du Maroc, tout simplement. Et le meilleur connaissance aujourd'hui de la littérature marocaine, mais pas exclusivement. Je pense que c'est aussi le cas par rapport à la littérature maghrébine et je dirais un petit peu la littérature mondiale. et donc Khalid qui a une magnifique connaissance, je pense, des quatre auteurs. Et peut-être que c'est avec toi qu'on va commencer parce qu'il va devoir nous quitter. Il a une autre table ronde à 16h et je te remercie vraiment d'avoir quand même pris le temps de venir participer à cette table. Je te laisse gérer, je m'en vais. Non, vas-y, on va faire ça à la bonne franquette, chacun prend la parole après toi, par ordre alphabétique. D'accord. Hein, à la bonne marocanette. En préambule, j'aimerais remercier Younes, bien évidemment, pour son invitation et l'ensemble, en fait, des contributeurs et des contributrices. J'aimerais dire, peut-être en préambule, que en tant qu'universitaire, on travaille souvent dans des cadres purement universitaires, en fait. On fait des articles universitaires, on attend de nous des ouvrages universitaires, mais je considère, à titre personnel, que l'universitaire et l'enseignant-chercheur doit aussi faire aller vers le public, aller vers le grand public. C'est pour ça que je fais des critiques, c'est pour ça que je fais des recensions de livres, et c'est pour ça que quand je reçois ce genre d'invitation, je n'hésite pas à dire oui, pour la simple raison, c'est que quand on travaille dans les cercles universitaires, on est bien évidemment dans un contexte, voilà, clos,
est rarement ouvert au grand public. C'est pour ça que j'étais extrêmement ravi quand j'ai reçu l'invitation de Younes. Et je tiens à dire que j'ai hésité aussi sur quelle figure j'allais écrire, parce que j'aurais très bien pu écrire sur Khairuddin. C'était le choix, on va dire, le plus évident pour moi. Mais en réfléchissant, on va dire, 5 secondes, puisque Younes m'a laissé 5 secondes pour réfléchir, j'ai pensé en fait à Al-Fatah. Et j'ai pensé aux trois derniers ouvrages qui ont été publiés par les éditions La Virgule. Alors, ces trois ouvrages sont très particuliers parce qu'on découvre à travers ces livres un autre Al-Fatah. Al-Fatah journaliste, Al-Fatah critique littéraire, Al-Fatah essayiste aussi. Et comme je ne pouvais pas traiter en fait des trois livres dans les limites de la contribution, j'ai choisi de me concentrer sur les chroniques littéraires. Alors c'est très intéressant parce que moi-même j'écris des chroniques, et donc là c'était quelque part voir la pratique d'un écrivain marocain qui lit les autres en fait, un grand lecteur. Et si vous permettez, je vais juste lire la première phrase, en fait, ou peut-être les premières phrases de ma contribution. Alors j'ai commencé ainsi. Il est commun de dire que les grands écrivains sont avant tout de grands lecteurs, mais rares sont ceux qui en donnent les preuves. Si la redécouverte tardive de l'œuvre de Mohamed Al-Fatah a révélé la force et l'originalité de sa production littéraire, la récente publication de 4 ouvrages inédits rassemblant ses écrits journalistiques permet de mesurer l'étendue de ses lectures et la diversité de ses intérêts littéraires et culturels. Il y a là le portrait d'un autre Al-Fatah, encore moins connu que le romancier ou le nouvelliste, qui mérite l'attention des lecteurs et des critiques. Et bien évidemment, je m'appuyais, j'en parlais avec Abdallah juste avant d'entrer ici. Abdallah a coordonné un ouvrage collectif qui s'intitulait Mohamed Al-Fatah ou le bonheur des mots. Je crois que c'était en 2009. On est 13 ans plus tard. Et en 2009, dans son introduction à cet ouvrage collectif, Abdallah disait on va découvrir Al-Fatah journaliste. Il y a un autre Al-Fatah qu'il faut lire. Il y a Al-Fatah le romancier, il y a Al-Fatah le nouvelliste, et là on a Al-Fatah le journaliste. Et ce qui est très intéressant, alors je me suis encore une fois, je me suis concentré sur les chroniques littéraires, et ce qui m'a frappé, je dirais peut-être deux choses que j'aimerais présenter aujourd'hui. La première chose, c'est que Al-Fatah est un lecteur extrêmement méticuleux, extrêmement curieux, et soucieux d'établir des liens en fait entre les écrivains, entre les sphères littéraires. C'est frappant parce que les chroniques, en fait, le livre des chroniques se compose de deux parties. Une première partie qui est dédiée en fait aux écrivains arabes, et la deuxième, ce qu'il appelle écrivains d'ailleurs, en référence à l'Occident. Et ce que j'ai essayé de faire dans cette contribution, c'est de montrer, d'étudier comment Al-Fatah lisait les autres en fait. Et ce qui m'a frappé, effectivement, comme je disais, c'est la manière dont il essayait à chaque fois de rendre compte d'un ouvrage, c'est-à-dire d'expliquer, de détailler le contenu de l'ouvrage, que ce soit un roman, un essai, et en même temps, essayer d'établir comme ça des liens et des passerelles entre les aires géographiques. Et bien évidemment, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on trouve des échos et des résonances à son univers littéraire. On peut penser par exemple à la question, à la représentation de ce qu'on appelle les bas-fonds en général, c'est-à-dire les marginalisés, les êtres marginalisés, exclus. Al-Fatah s'intéresse à vraiment une diversité d'ouvrages. Je pourrais peut-être en redire deux mots, mais c'était vraiment ça l'aspect, on va dire, principal de ce travail. Et j'estime, personnellement, j'ai pensé en lisant cet ouvrage, il va falloir bien évidemment, comme je le mentionne dans la contribution, élargir ce travail aux autres ouvrages, notamment ses entretiens. Il me semble que son travail journalistique a servi quelque part de laboratoire, finalement, à son œuvre littéraire. Parce que c'est à travers ses lectures que Al-Fatah a pu nourrir quelque part son univers. On le voit s'intéresser à la culture du monde arabo-musulman, on le voit s'intéresser à des romanciers égyptiens, des écrivains égyptiens, puisqu'il a vécu, Younes parlait tout à l'heure de la migration, l'expérience de la migration. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'il s'intéresse une fois au Caire, il parle des écrivains égyptiens, il va même rencontrer
certains et faire des entretiens avec eux. Donc, c'est quelqu'un qui était constamment à la recherche du lien et à la recherche de la passerelle littéraire et culturelle. Et ça, on le voit dans la générosité, vraiment, avec laquelle il rencontre de certains ouvrages. Je pourrais peut-être donner des exemples plus tard, mais je passe la parole à Rasm. Merci Khalid. Ça va être très simple, je vais te donner la parole. Leftah, d'ailleurs, je l'ai connu la première fois, bien avant qu'il soit écrivain. Si dans le bouquin, il était venu me demander une interview qui est sortie dans l'un des deux bouquins dont tu as parlé, là. Comment il s'appelle Au loin. Entretien. Dans le bouquin d'entretien, donc moi je l'ai connu bien avant de le connaître comme écrivain. Il avait publié un an avant, mais Demoiselle de Midimé aux éditions de l'Homme, méconnu au Maroc, on ne savait même pas qu'il avait publié, etc. Et donc c'est là que je l'ai connu, et c'est là que j'ai découvert aussi cet entretien, très bel entretien. Et il a commencé à m'apporter des photocopies de cet apuscrit, un après l'autre. Je lisais un, je discutais avec lui, etc. Et puis il me ramenait un autre. Et puis un autre. À un moment donné, je lui dis, combien de tapuscrits tu as ? Elle dit, alors, et c'est là où je lui ai dit, non, il faut éditer. Et un an après, il est passé aux éditions La Différence et il a publié, d'ailleurs, souvent deux ou trois ouvrages dans la même année, etc. Parce que tout était prêt, en fait. Ouais. Tout était prêt depuis des années. Ouais. Et il n'arrivait pas à faire... Je ne sais pas ce qui s'est passé avec son premier éditeur, avec Lob, parce que ça a dû le bloquer quelque part, malgré le fait qu'il l'ait publié, Demoiselle de Numidie, et il n'osait plus. Mais à partir du moment où le robinet a été ouvert, ça y est, il a sorti. Et c'était visible que c'était... Et c'était dès le départ, moi, bon, quand je lisais cet apuscrit, c'était visible qu'il y avait un univers d'écrivains, qu'il y avait, et un souffle de grand écrivain. Est-ce que je peux, Khasm, je veux juste mentionner un autre élément que d'ailleurs Abdallah avait déjà mentionné dans son livre de 2009 et qui m'a également frappé dans ses chroniques, c'est le fait qu'il traite aussi bien des écrivains arabophones que des écrivains francophones. Francophone, très bon. Donc c'est quelqu'un, voilà un écrivain qui maîtrise à la fois l'arabe et le français et qui est au-delà, qui dépasse le clivage linguistique. Je vais juste donner des noms. En fait, il y a deux parties dans l'ouvrage. La première partie, il traite notamment de Choukri, Hassan Aourid, Ahmed Soufiq, Mohamed El-Ashari, Brahim El-Kouni, Fethi Ghanim et d'autres francophones comme Kileto, Mernissi, Rachid Mimouni, Assia Djebbar, Rachid Boujedra. Ce qui est aussi très frappant, et alors je pense que ce n'est pas un hasard, c'est le nombre d'auteurs algériens et d'écrivains et d'écrivaines algériennes auxquels il s'intéresse. Je pense qu'il y a derrière ça aussi une certaine vision du Maghreb qui est vraiment inscrite dans sa lecture. Et dans la deuxième partie, Younes parlait tout à l'heure de littérature mondiale. C'est très frappant. Alors, il consacre des articles à Dostoïevski, Borges, Faulkner, Michel Tournier, Ismaël Kadare, l'Albanais, André Michel, Goïti Solo, etc. C'est vraiment, ce sont des écrivains qui appartiennent, comme je dis, à la littérature, on va dire, mondiale, mais en même temps aussi des écrivains qui sont très concernés par les questions de l'altérité, de la rencontre. Hein. On pense notamment à Tournier, on pense à André Michel, on pense à Goïti Solo, bien évidemment. Et également, en fait, il n'a pas peur non plus d'aller faire découvrir des voix. Alors, c'est très intéressant. Il présente à un moment donné un roman qui traite du mariage mixte. Et il utilise vraiment comme un moyen pour développer une certaine réflexion sur la différence, en fait, tout simplement. Et vraiment, comme tu disais, Khasm, à l'instant, en lisant ces articles, alors ce sont de simples articles, hein, c'est vraiment des simples recensions, des chroniques, mais on mesure vraiment l'érudition de Leftah. C'est quelqu'un vraiment d'extrêmement érudit, et c'est très intéressant parce qu'en lisant certaines œuvres, en les interprétant, il convoque d'autres ouvrages. Par exemple, à un moment donné, il dit « je vais utiliser tel essai pour lire tel roman ». Et il fait rencontrer comme ça deux univers superposés, deux méthodologies. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement intéressant. Moi, personnellement, j'ai découvert, grâce à cet ouvrage, un autre visage de Leftah. Et je pense que maintenant, on peut revenir et relire ses nouvelles. Textes. Exactement, ses propres textes avec ses éléments en tête. Je m'arrête là parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Et si on regarde bien, même tous ces écrivains qui lisent, qu'ils soient maghrébins ou mondiaux, ils sont apparentés au niveau de l'imaginaire.
c'est pas n'importe quels écrivains non plus. Il y a un apparentement qui est fondamental et clair. Abdallah Beda. Vas-y, à toi la parole. Beda, Béchir, c'est dans l'ordre alphabétique. Boati. Et je terminerai la, ronde. Ça sera plus l'ordre alphabétique. Bien, à mon tour, bien sûr, je remercie les organisateurs. Les organisateurs de cette table, mais surtout l'initiative de cet ouvrage consacré à quatre grands noms, quatre grands écrivains. Et j'avais aussi un peu l'embarras du choix quant à qui choisir. Est-ce que Edmond Amran El Malah, est-ce que Kherdin Leftah Traibi. Donc finalement, Younes m'a suggéré Leftah. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et surtout parce que, en réalité, c'était une occasion pour moi pour être un petit peu dans la continuité de ce que vient de dire Khalid. Khalid a souligné cette dimension universelle chez Leftah et comme quoi il y a différentes littératures. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a surtout différents arts. Voilà, c'est ce côté, ce qu'on appelle dans le jargon universitaire interartialité, qui est présent parce que, bon, tout en étant de l'écriture, ce qu'il fait, tout en étant de la littérature, il convoque à chaque fois d'autres formes d'art, et notamment la sculpture, par exemple. La musique sont là et la chorégraphie également est présente. Et je me suis dit, j'avais souvent fait pas mal de textes, pas mal de travaux sur Leftah, mais je voulais à cette occasion travailler sur un livre et mettre en valeur cette dimension d'interartialité, cette coprésence de différents arts. Et c'est présent dans chacun. Mais immédiatement, ce qui m'a frappé, c'est l'enfant de marbre. Et l'enfant de marbre, lorsque je l'avais lu déjà il y a quelques années, j'avais senti que Leftah travaillait sur une sorte de magma, une sorte de tas, et qu'il est en train de faire un travail de sculpture auquel, justement, réfère ce mot marbre. Et voilà, j'ai donc à cette occasion fait une relecture de l'enfant de marbre où Leftah évoque un certain nombre de références en rapport avec la musique, en rapport avec la littérature, en rapport. Et il fonctionne un peu par résonance, par correspondance. Un mot lui fait changer carrément d'univers pour partir. Il était l'essentiel de ce roman se passe à Paris, mais à chaque fois, un troquet, un bistrot, le renvoie immédiatement à Don Quichotte, à Casablanca. Et le bar Don Quichotte à Casablanca l'envoie carrément à Don Quichotte, le roman, à ce parcours, etc. Donc, petit à petit, dans ce roman, Leftah explore un univers. Il explore ses indices qu'il ramasse pour le prétexte du roman, c'est pour rendre en quelque sorte hommage à un enfant mort-né. Et rien que le terme mort-né, par exemple, c'est quelqu'un qui est un enfant qui n'a pas vécu, qui est mort le jour même de sa naissance. Mais aussi, c'est un mort-né en un seul mot qui veut dire ce masque qui cache le visage et où il n'y a pas les traits. Et c'est sur cette base que Leftah a commencé à mettre des traits sur ce visage, des traits sur cet enfant qu'il avait qui n'avait pas vu au moment de sa naissance, mais il a commencé à lui construire une identité à travers différents éléments et donc à sculpter. C'est comme s'il sculptait
un rocher, par exemple, et petit à petit, on voit le nez de l'enfant qui sort, on voit ses yeux, on voit ses oreilles, on voit son visage. À la fin du roman, on lui trouve même un nom. Et un deuxième élément que j'aimerais souligner, c'est que le Ftah s'inspire beaucoup de sa vie pour écrire. Parce que tout à l'heure, lorsque Khalid a mentionné le mariage mixte, c'est également sa propre expérience. Et dans L'Enfant de Marbre, c'est en effet une expérience. Au début, je ne savais pas. Mais après, quand j'ai demandé à des personnes de sa famille, ils m'ont dit qu'effectivement, il avait eu un enfant mort-né et qu'il a quitté. Donc, c'est en réalité, in fine, lorsque l'Iftah met le point final du roman, ça y est, la stèle est faite, elle est constituée. Et c'est cet enfant de marbre qui est dans le titre L'Enfant de Marbre, c'est le livre lui-même. C'est ce livre qui est à la fois une stèle et qui est également un hommage à cet enfant mort-né et qui est aussi, soi-disant, cet enfant. Voilà, cet enfant à qui il a donné finalement naissance, c'est le livre lui-même. Et ça, c'est une technique qu'on trouve souvent chez Leftah, parce que j'en ai pas parlé dans l'article, mais ceci est également valable pour d'autres textes, notamment Une chute infinie. Une chute infinie, un personnage, un gamin, un adolescent qui s'est suicidé dans un lycée à Casablanca parce que c'est quelqu'un qui n'est pas compris par sa société, parce que c'est quelqu'un qui a une identité différente, c'est parce que tout simplement c'est un homosexuel. Et donc, sentant cette société qui l'écrase, il va faire le plongeon du quatrième étage. Et là, l'Iftah, là aussi, il nous montre ce plongeon à la fois. Voilà, à la fois le salto, mais également c'est une référence à une figure de l'Antiquité. Et aussi c'est une référence à la chorégraphie. Et tout ça, à la fin, le livre lui-même, l'hommage qu'on avait refusé à se suicider et que la religion lui refuse et que la société lui refuse, cet hommage, l'Iftah va le faire sous forme d'un livre. Et pour terminer, je dirais, pour ajouter à ce que disait Khalid tout à l'heure, que l'univers même de l'Iftah est constitué des livres. C'est-à-dire, c'était sa façon de vivre, son monde, son univers, et toute sa littérature est faite autour de cela. Et à chaque fois, il y a des références à d'autres livres, et il récupère même la matière de sa vie pour en faire un livre. Une situation qu'il peut voir par exemple ici, ça peut se transformer rapidement et facilement en une nouvelle ou en un roman, etc. Nous étions en 2006 ici même à Rabat dans un colloque sur la littérature de l'immigration organisé par les Lions des écrivains du Maroc, et il y avait l'Iftah à côté de moi, et enfin, j'étais à côté de l'Iftah, et pour lire son texte, parce qu'il ne voulait pas affronter le public. Donc, il était silencieux, assis, et moi, j'avais son texte, et c'était en fait un marché qu'on avait fait. Sa condition pour venir, c'est que je lise son texte. Donc, je lisais son texte, et là, cette situation qui est un peu absurde, d'être assis à côté d'un écrivain et lire son texte va immédiatement se transformer en fiction dans la tête de l'Iftah, et c'est là qu'il va écrire la nouvelle L'écrivain face au djinn. Merci Maïda. On va passer directement, on va changer avant de revenir à l'Iftah, on va passer à Edmond Amr al-Malih. Je te passe la parole à Si Bichir. Bonjour. Lorsque Si Younes m'a contacté, il m'a proposé d'écrire sur l'Iftah.
Et je venais moi-même de sortir d'un colloque sur l'Iftah. J'avais consacré à l'Iftah déjà plusieurs articles. J'ai considéré que l'Iftah avait pris son envol. Après, j'ai considéré que l'Iftah avait pris son envol après des débuts difficiles, difficiles en particulier dans l'édition marocaine. L'Iftah est aujourd'hui connu et reconnu, même s'il reste des livres à lui à explorer. Je considère pour ma part que le combat du capitaine Ni'met n'est pas encore aujourd'hui suffisamment étudié et suffisamment exploré. Le deuxième élément qui m'a fait réfléchir à un autre choix que l'Iftah, c'est naturellement la panoplie des quatre écrivains. Chraïbi, comme le dit si bien Hassem, c'est l'universel. Kherdin a été connu et reconnu par les plus grandes éditions françaises avant de connaître le destin qu'il a connu à la fin de sa vie. Edmond Amal Malek, c'est un cas particulier. Edmond Amal Malek démarre, écrit son premier roman, Parcours immobile, si j'ai bonne mémoire, en 1980. On est à la sortie, ou au début, disons, le structuralisme bat son plein, en tous les cas en France. Et Edmond Amal Malek arrive avec Parcours immobile, un roman qui n'entre pas dans les arcanes de l'édition française de l'époque. Et il a fallu se battre pour que progressivement Maspero et La Pensée sauvage acceptent Parcours immobile, parce que le roman, jusqu'à nos jours aujourd'hui, est d'une exploration extrêmement difficile. Edmond Amal Malek n'est pas un écrivain accommodant. Ce n'est pas un écrivain qui va chercher le public le plus large. Ce n'est pas un écrivain qui va renoncer quelque peu à ses convictions dans l'écriture de sa phrase ou dans les thématiques qu'il aborde. Il va rester particulièrement attaché à l'histoire telle qu'elle fonctionne dans le récit, entremêlée évidemment d'une pensée, et particulièrement d'une pensée philosophique. Ne l'oublions pas, l'écrivain est d'abord un philosophe. Donc c'était le deuxième point qui m'a poussé à travailler sur Edmond Amal Malek. Le troisième élément, c'est que Edmond Amal Malek, malgré tout, je considère qu'il a eu un sort injuste. Injuste parce que il intervient à un moment où l'édition au Maroc prend son essor, et nous sommes aujourd'hui précisément dans le ciel, et ça concerne un peu les éditeurs également. Hein, voilà, c'est bien le cas de le dire. Et il a un sort un peu injuste parce que je me doutais bien que dans ce livre, ce n'est pas l'écrivain sur lequel on allait le plus écrire. D'abord parce que il ne correspond pas véritablement à un public ouvert, large, vaste. Il faut reconnaître que pour accéder à Edmond Amal Malek, il faut aller vers une critique un peu savante. Il faut savoir revivre le parcours historique qu'il a lui-même vécu. Et il faut accepter de sortir d'une certaine conception commerciale de la littérature. Et toutes ces raisons m'ont poussé à envisager d'écrire un article
au bénéfice, bien sûr, des étudiants qui vont nous lire et peut-être de quelques universitaires, pour montrer que si la renommée et si les éditions rencontrent quelques grands talents, ce n'est souvent pas sans difficulté et qu'il ne faut pas négliger les petites éditions, celles qui bien souvent ont donné aux écrivains le talent qu'ils méritent. Je pense par exemple à Alain Maboncou, je pense à d'autres écrivains qui ont eu les mêmes difficultés et qui progressivement ont accédé à des jours plus glorieux. Pour terminer, je dirais que l'écriture de Edmond Amal Maleh résistera à l'histoire. C'est ça ce qui est fondamental. Parce que c'est un livre que l'on lit lorsqu'on a décidé de penser, de réfléchir, de travailler avec le texte et de s'interroger sur sa propre condition d'homme. Alors, je n'évoquerai pas évidemment tous les éléments historiques qu'il brasse et surtout toutes ses idéologies, lui ancien militant, dont il nous rappelle combien il faut se méfier, de combien il faut se méfier de ses propres idéologies. Le militantisme chez lui, pour avoir été, pour l'avoir porté en bandoulière, est arrivé au stade où il le remet à plat, l'écrase et en même temps fait ressortir une dimension de résilience, mais sans la soumission qu'appellent de tous leurs voeux les lois de la discorde et bien sûr les systèmes autoritaires. Je vous remercie. Merci, Seyed Mechir. Et d'ailleurs, effectivement, Edmond Amal Al-Maleh est le moins bien servi, parce que tu es le seul à en parler. On va repasser à Al-Fateh, qui est très bien servi quant à lui. Il y en a un qui ne sera pas du tout servi, quasiment, mais on en parlera quand même, à la fois moi et puis Abdelah Beda ou les autres. Non, mais... on va d'abord faire le tour de ceux qui sont présents et puis après on verra le temps dont nous disposerons. Donc Sana, on repasse à Al-Fateh. Oui, alors je remercie à mon tour Si Younes, c'est grâce à lui donc j'ai été associée à ce projet. Alors quand il m'a proposé les auteurs, il y avait encore Omar Mounir. Et moi, j'avais hésité parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai lu. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai été attirée par Al-Fateh. Al-Fateh que j'ai connu personnellement. Et d'ailleurs, c'est Mustapha et Abdullah également. Et qu'on a rencontré au Salon du Livre en 2006. Et il venait de sortir Demoiselle de Numidie, version La Différence. Et j'avais trouvé un homme complètement effacé, qui n'aimait pas du tout, comme l'a raconté Adla, qui n'aimait pas du tout qu'on le prenne pour un écrivain et qui se cachait. Il était très timide, qui se cachait. Mais on a eu quand même par la suite une très bonne correspondance qui a duré jusqu'à la veille de sa mort. D'ailleurs, la nouvelle de sa mort m'est venue de sa boîte, comme Abdullah et Seyed Mechir aussi. Et je tiens quand même à rappeler qu'à la faculté de Rabat, on a organisé un hommage du vivant de Mohamed Al-Fateh. Et il était au courant et il nous avait envoyé le secret des djinns pour parler un petit peu de l'université, des colloques, etc. Et alors, depuis ce temps-là, j'ai été fascinée. Donc, j'avais déjà Demoiselle de Numidie. Et plus tard, j'ai découvert ces nouvelles. Et donc, j'ai proposé à Younes de travailler sur la nouvelle parce que moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est bref, à l'écriture de la brièveté. Et donc, je me suis rappelé que j'avais lu dans le passé un recueil de nouvelles qui était assez particulier
et qui était composé d'une certaine manière avec un esprit ludique. Et donc, j'ai ressorti ce recueil de nouvelles qui est un martyr de notre temps. Un martyr de notre temps, voilà, et qui est un recueil de nouvelles composé de 7 nouvelles, mais les 6 nouvelles sont complètement différentes l'une de l'autre. Et puis, il y a la 7e nouvelle qui vient pour tout reconstruire. Et j'ai voulu montrer que Mohamed Ftah a utilisé la nouvelle pour en faire un laboratoire d'écriture. Et je crois que ce recueil de nouvelles, je le trouve extraordinaire parce qu'il y a 2 personnages qui vont apparaître dans la 7e nouvelle et qui vont colmater les brèches, qu'ils vont expliquer ce qui est resté ambigu. Et Leftah a fait exprès parfois de ne pas soigner les chutes. Lui qui a consacré tout un livre aux chutes, donc il a fait exprès de un petit peu bâcler les chutes, mais c'était volontaire. Pourquoi ? Parce qu'il savait que ça allait lui servir dans la 7e nouvelle pour reconstruire. C'est-à-dire il y avait un travail de déconstruction au niveau de la société, de certaines classes sociales, etc. Et puis un travail de construction au niveau de l'écriture que j'ai trouvé très intéressant. Et c'est un travail, Younes le sait, que j'ai fait à l'étranger. Je n'avais ni internet, ni livre, ni rien du tout. C'est un travail à 100% personnel. J'ai regardé avec le téléphone les conférences faites par Abdullah, Simstafa et Khalid. Donc, j'ai écouté, mais en fait, c'est un travail de professeur qui travaille sur un texte. C'est un travail textuel. Mais ça m'a donné envie de continuer le travail sur les autres nouvelles. Et donc, moi, je reste sur la nouvelle parce que je trouve que c'est un univers formidable chez Mohamed Ftah. Voilà. Merci, Sana. Allez, prends-la. Oui, je vais devoir partir parce que j'ai une rencontre à 4 heures. Je voulais juste, parce qu'on parlait de migration, je veux juste signaler que les auteurs en question ont été traduits, sont en train d'être traduits en anglais. Alors c'est très intéressant parce que Khair Din, la traduction de Soleil Arachnide a paru. On a déjà Agadir en anglais également. J'ai eu le plaisir de rédiger la préface à cette traduction. Là, on a Moilègre et Ce Maroc qui vont paraître en anglais. Exactement, en allemand. Et pour le Ftah, on a le combat, comme disait Mustapha à l'instant. Donc, c'est un livre qui va paraître en anglais, là, actuellement. Et Demoiselle de Numidie va suivre. Il ne reste plus que Edmond, Amr al-Melh. Je pense qu'il n'a pas, effectivement, il n'a pas reçu suffisamment d'attention de la part des traducteurs. Et c'est un travail à faire. Et c'est très intéressant parce que moi, je le voyais en Angleterre, là, je le vois aux États-Unis. En fait, il y a une sorte de redécouverte de ces auteurs. Et c'est à travers ces auteurs que des universitaires américains, anglais, cherchent à comprendre le Maroc des années 60, des années 70, des années 80, comme disait tout à l'heure Mustapha. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'ils utilisent ces œuvres pour relire et comprendre, essayer de comprendre les dynamiques politiques, sociales et culturelles au Maroc juste après, à partir de l'indépendance, en fait. Je m'arrête là et je dois vous coûter, désolé. J'ajouterais juste que ce serait bien, très très rapidement, qu'il soit traduit en arabe. Il y a un effort à faire là-dessus par rapport au lectorat arabe, mais c'est vrai que, notamment par ton entremise, effectivement, cette espèce de reconnaissance au niveau du public anglophone est extrêmement importante. Je commencerai donc par ce biais de la traduction. Même Shraibi est traduit en anglais depuis très 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 longtemps, bien sûr, mais tu parlais de l'arabe. On vient de commencer véritablement ce travail même avec Driss. Ça fait une dizaine d'années que ça a commencé. Une quinzaine d'années en fait, mais pas au Maroc, une quinzaine d'années en Tunisie, avec Cérès Productions. Hein? Ah si, on a des éditions marocaines, il y a eu même une version de mes mal traduites du Passé Simple au Centre culturel arabe.
Et puis on a fait que j'ai deux éditions que j'ai présentées, deux bouquins. C'est La mer du printemps, traduit par Hmouden, que j'ai préfacé. Non, La mer du printemps, ça fait non, la mer du printemps, ça fait 6-7 ans. Les books, c'est très récent. Les books viennent de sortir il y a une année, 2021. Les books avec Hmouden que j'ai présenté aussi. 4-5 ans, 6 ans, c'est aux éditions Librairie des Colonnes. Donc là aussi, c'est une lutte, c'est un combat, bien sûr. Qui ne va pas de soi. Et effectivement, je crois qu'il n'est que temps. En fait, on arrive, et ce bouquin, ce livre, cet ouvrage, je pense, arrive à temps. Et en plus, avec cet équilibre éditorial, 4, 4, 4, 4, et plus un entretien, 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 c'est bravo pour l'équilibre éditorial. Pour continuer, en fait, moi, j'aurais pu effectivement aussi écrire sur les quatre écrivains. Mais j'ai un rapport particulier aux écrivains et à ces écrivains en particulier. C'est que à chaque fois que les quatre, je les ai connus vivants. Mais quand je connais l'écrivain d'abord et que j'ai des relations avec lui, de vie, etc., je n'écris pas sur lui. J'ai des difficultés à écrire. C'est pour moi d'abord un homme, c'est d'abord l'écrivain, c'est d'abord l'ami, c'est d'abord un homme. Et Shraibi, paradoxalement, qui est un ami de plus de 30 ans, mais je l'ai d'abord connu en tant que doctorant. C'est-à-dire, je suis monté en 1975, il était à Fontenay-le-Fleury, d'où l'entretien qui est ici, date de qui est inédit, date de cette période-là. Donc, je l'ai d'abord connu comme écrivain et après comme ami. Donc là, oui, je peux. Donc, il y a cette particularité, je ne me l'explique toujours pas. Et c'est vrai que ces quatre écrivains ont en commun. En fait, c'est aussi, il n'y en a que cinq d'écrivains morts de cette période-là. Le seul qui n'y est pas ici, c'est tout à fait normal. D'abord, il n'est pas de la migration. C'est Ahmed Sfraoui. Et qui n'a pas du tout vécu en migration. Et qui, en plus, n'est pas du tout dans le même profil littéraire de Ahmed Sfraoui. Non, mais oui, Khatebi, lui aussi, il n'a jamais vécu en migration non plus, d'une part. Et d'autre part, pour moi, Khatebi, il n'est ni complètement essayiste, ni complètement écrivain. C'est un écrivain à part, tout à fait particulier. C'est vraiment un cas de figure. Sans appartenance. Il se définit lui-même comme sans appartenance. Oui, tout à fait. Échappant au registre. Ah, tout à fait. Donc, en ce qui concerne la partie d'Rich Rabi, et en particulier l'article que j'ai commis, et là aussi, rentre dans ce combat que j'ai depuis quelques années, dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, pour moi, il était temps et il est temps de faire connaître ces écrivains au niveau mondial. Et pour moi, Shraibi, il faut les sortir et du Maroc et du Maghreb. C'est des écrivains de niveau mondial, c'est des écrivains universels. Il faut leur donner, si nous ne leur donnons pas cette dimension, les autres, si nous les étiquetons ad vitam aeternam, ils resteront étiquetés parce que le monde se construit comme ça. C'est à partir du moment où tu projettes une image que les autres voient sa réalité et son efficacité et peuvent aller avec. Autrement, on en resterait toujours là. Et d'ailleurs, Driss, à chaque fois qu'on parlait de ça, il me disait, mais bien sûr, mais moi, en fin de compte, je me vis comme écrivain, je ne me vis pas simplement comme avec des étiquettes écrivain marocain ou d'expression française ou ceci ou cela, etc. C'est pas ma tasse de thé. Et même lors de ce premier entretien que j'avais avec lui, je lui avais posé une question. Je lui disais, écoute, parce que c'est
1975, donc il avait déjà commencé à cette veine où il avait des, c'était le premier, comme toujours. En fait, il a été devancier sur tous les niveaux, le passé simple, les blocs avec l'immigration, les premiers romans historiques avec Naissance à l'aube, etc. Le premier roman, et c'est par rapport à celui-là que je lui posais la question, un ami viendra vous voir. Complètement avec des personnages vivant dans une société de consommation, etc. Et pour lequel d'ailleurs, et ça je ne manque jamais de piquer Salim Jay par rapport à ce texte, il avait écrit en 67 dans la Malif la mort de Drish Raimi. Pourquoi ? Tout simplement parce que, avec un ami viendra vous voir, Drish Raimi venait d'écrire un ouvrage qui n'était plus régionaliste. Et donc, pour Salim Jay, ça fait comme le mettre. Et donc, je pique un peu Driss en lui disant... Bien sûr, en 67. Mort au Canada viendra après... C'est ça, mais après, c'est-à-dire que, donc je lui dis, écoute, il faudrait que tu, c'est dommage, moi aussi j'étais encore un peu dans ça, étant de l'autre côté, étudiant, etc., l'Europe, ils ont des écrivains, il y a de la production, etc., essaye de continuer de creuser. Et il m'a répondu très justement, tu sais Qasem, tout ce que j'ai à dire sur le Maroc, je l'ai dit, ce que j'ai vécu, ce que si je continue à écrire sur le Maroc alors que je suis plus au Maroc depuis 1945, ça serait faux pour moi, je peux pas écrire. Et ça fait depuis plus de 30 ans que je suis déjà en France, donc, et que je vis cette réalité, j'écris sur la réalité que je connais. Avec ta permission, c'est Hassan. Ça marche là, ça marche, ouais, c'est tous, bon. Il marche tous. Ouais, il faut... De toute façon, ce n'est pas la territorialisation qui va déterminer l'appartenance à l'universalité ou non. Non, peut être tout à fait dans le local, dans un territoire, mais se projeter par ses personnages, par les techniques d'écriture, par la façon dont on enchevêtre l'histoire en elle-même, dans une dimension beaucoup plus universelle. Cette façon de ramener nécessairement l'écrivain maghrébin à sa terre natale est une critique qui date depuis plusieurs années. On la retrouve aujourd'hui. Leïla Slimani a été beaucoup contestée pour ses deux premiers romans, précisément parce qu'elle n'était pas dans la territorialité marocaine. Et curieusement, lorsqu'elle est revenue à la territorialité marocaine, il y a de nouvelles critiques pour dire que ce n'est pas tout à fait ça. Donc un écrivain se soumet au public et il en reçoit tantôt de la résilience, tantôt évidemment beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction. Ainsi va le livre. Mais là où il faut... peut-être faire un effort, c'est nous autres universitaires, justement ne pas être dans cette logique de la territorialité, ni même dans cette logique des bons et ou des mauvais points. Je crois qu'il faut laisser les livres faire leur chemin. Bien sûr, on donne un avis, bien sûr, on peut émettre même des jugements, mais rester dans cette ouverture d'esprit, parce qu'on sait que la littérature va et revient. Et aujourd'hui où nous parlons, nous savons que certains livres auront une postérité probablement beaucoup plus importante que celle de certains romans que l'on connaît aujourd'hui et qui circulent à travers l'édition. Je crois que ça, c'est important de dire, d'apporter cette nuance. Merci. Oui. Je ne serais pas d'accord avec toi sur la fin de ton intervention, au sens où moi je pense qu'il faut se mouiller, qu'il faut pour que la littérature vive, le rôle de l'universitaire, et notamment encore plus
avec aussi cette dimension de l'universitaire qui s'ouvre sur le public et le large public, il faut dire les choses, il faut prendre parti, quitte à se tromper. Mais il faut, parce qu'aujourd'hui, justement, ce que je pense, c'est qu'on est dans un contexte où on est dans du consensuel, où les gens n'osent plus, on est dans la complaisance, les gens n'osent plus avoir une échelle de valeur littéraire qui est la leur, qui est fondée par le légitimé par aussi des statuts, par des études, etc., mais qui est quand même relative, certes, mais il faut se mouiller et qu'il y ait à nouveau des polémiques, des débats, etc. C'est ça qui va faire... Parce qu'on est dans un consensuel et une médiocrité littéraire de plus en plus au Maroc, dans beaucoup de productions d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut avoir ce courage-là. Là. Ce courage est bien sûr nécessaire. Il y a un problème là. Il y a un petit problème, pardon. Oui, je peux dire. Allez-y. Oui. Il faut faire le distinguo. Il faut faire le distinguo entre le courage de dire ce que l'on pense d'un livre et la querelle qu'on pourrait entamer avec les uns et les autres au nom d'une appréciation personnelle. Voilà ce que je veux dire. Bien sûr, si nous arrivons à une critique du genre échange Camus-Sartre, c'est formidable. Mais si on est derrière les lignes pour narquois, dire ça va, ça ne va pas, ça n'a aucun intérêt. Ce que je veux dire, tu disais tout à l'heure toi-même que quand Salim Jaïsin mort d'un écrivain, il se trompait, mais il a eu le courage. Il a eu le courage de le dire. Il a eu le courage de le dire. Très bien. Alors raison de plus pour l'universitaire critique savant d'être dans la nuance. C'est difficile d'être dans la nuance. On peut dire beaucoup de critiques, faire beaucoup de critiques dans la nuance, mais sans prêter le flanc à des querelles intestines qui n'ont pas lieu d'être et qui n'encouragent pas ces jeunes aujourd'hui à aller de l'avant, à écrire, à dire ce qu'ils pensent. Voilà un peu l'idée que je me fais du livre, en sachant pertinemment que dans ce contexte qui est le nôtre, nous sommes aussi tributaires des éditeurs, nous sommes tributaires d'un contexte, d'un marché du livre, où à l'intérieur duquel il faut avoir des réseaux, que ces réseaux, il faut savoir les travailler, et que tout le livre se fait en amont, avant d'arriver au résultat final. Merci. Merci, Sébastien. Mais je pense que, justement, la meilleure manière d'accompagner ces écrivains et cette édition locale, c'est de l'accompagner avec exigence. C'est de l'accompagner avec exigence. Et même les éditions. Nos meilleurs éditeurs, je les critique directement et en tête à tête. On est arrivé au jour d'aujourd'hui à une qualité de fabrication éditoriale qui est problématique. Il faut le leur dire pour qu'on avance. Il ne faut pas être dans un échange de complaisance, de liquéfiant. C'est la meilleure manière d'être constructif que d'accompagner tout ça avec de l'exigence. Si vous permettez, on va revenir peut-être un petit peu au sujet qui nous intéresse à la base. Et donc, si on pouvait revenir, Sana, tu voulais réagir peut-être par rapport à ça. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à notre livre. Je reviens à l'Ftah, parce que tout à l'heure, c'est Ben Cher a parlé donc, de manière brièvement en passant. Il a dit que les éditeurs marocains ne voulaient pas de Mohamed Ftah. Effectivement, pourquoi ils ne voulaient pas de lui? Parce que lui, il fait une littérature qui ressemble à cette peinture qui s'était allée du 15e au 20e siècle, d'écrire la saleté, le dégoût, etc. Et nous, dans notre tradition marocaine, on n'aime pas exposer la saleté, on aime
même montrer que tout va bien, qu'on montre les salons propres, que tout va bien. Et lui, il n'a pas fait dans cette littérature de la facilité, il a voulu nous tirer vers les bas-fonds et décrire une société invisibilisée par tout le monde, par les politiciens, par les médias, par la littérature elle-même, par les créateurs qui ne font pas dans ce genre de création, les critiques qui n'aiment pas la saleté. Ils ont toujours parlé d'une littérature misérabiliste. À propos de Serhan, à propos de pas mal d'écrivains, misérabiliste, est-ce que la misère n'existe pas? Elle est là, mais donc Lftah a très bien fait de la pointer du doigt et d'en faire un objet d'art. C'est ça ce qui est beau. Il a utilisé une esthétique grâce à son imagination et qui a fait de cet objet sale, dirty, il en a fait une très belle chose. Un tableau d'art, un travail artistique. C'est ça ce qui est... Moi, je lis quelques romans aujourd'hui de la littérature, de ce type de littérature qui décrit les bas-fonds, etc. Mais elle n'est pas belle. Elle nous dégoûte. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à terminer. Alors qu'avec Lftah, on apprécie on apprécie tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais, mais grâce à ces techniques. Et ces techniques n'existent plus, malheureusement. Oui, par rapport, effectivement, au beau caractère de l'écriture, précisément, et qui a rendu l'accès à cet univers totalement plutôt fascinant qu'autre chose. Et pas du tout, comme tu dis, sale ou dégoûtant. C'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est les fleurs du mal, hein. C'est les fleurs du mal. Et c'est d'autant plus les fleurs du mal que la notion de fleurs est fondamentale dans l'imaginaire de Lftah des Demoiselles de Numidi. Effectivement. Je crois que c'est... je reviens peut-être un peu à Driss. Parce que rapidement, oui. Alors, ton intervention sur Driss, elle était sur, en fait, son caractère universel, ce que tu avais commencé un petit peu à pointer tout à l'heure, et aussi sur son actualité. Et moi, j'aimerais bien que tu expliques un petit peu comment, aujourd'hui, Driss Ghalibi est un écrivain actuel. Son actualité, en fait, commençait déjà à émerger les dernières années de sa vie où il passait au Maroc. La dernière fois, je l'ai fait passer, en fait, il est passé sa dernière conférence publique. Ça a été une rencontre avec des étudiants, les étudiants de la filière métier du livre, les miens, le 28 février 2007. Juste, il était chez moi 15 jours avant de mourir, donc je l'avais fait passer là. Et les questions que lui posaient le retour des étudiants montraient son actualité à un étudiant qui lui avait dit « Mais pourquoi vous devriez écrire de nouveau sur cette réalité, un nouveau passé simple, parce qu'on vit encore ça ?» Et bien sûr, Driss a dit, moi, le passé simple, je l'ai écrit. C'est maintenant aux jeunes écrivains de cette génération, de ce contexte, d'écrire leur passé simple. Donc là, on voit bien cette actualité parce que ses lecteurs sont encore très pris par ces ouvrages. Et un de ces ouvrages qui est devenu universel et même un classique au sens premier du terme, c'est-à-dire étudié dans les classes, des collèges, des lycées, dans les universités, c'est La civilisation mammaire. C'est un écrivain qui parle à toutes les générations. Je vais dire que même dans le... En fait, ces écrivains-là, et pour ce qui est de Ghalibi, alors que c'est le plus ancien, c'est flagrant. Ces écrivains sont connus de nom, ils sont connus de presque tout le monde, mais ils sont méconnus au niveau de leurs... ils sont peu lus finalement par rapport à leur profil mythique, etc. Et encore, Ghalibi, c'est le mieux servi. Hein. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Par rapport à Edmond ou par rapport à Lftah. Ah, c'est sûr, c'est sûr, mais même lui... Et même lui, il y a des ouvrages que même les universitaires ne connaissent pas. Il y a des pans entiers de Driss qui ne sont pas connus, qui ne sont pas lus même par les universitaires. L'âne, qui lit l'âne? Absolument. Même, je parlais d'un ami viendra vous voir et de Morocco-Canada. Qui connaît ces ouvrages-là? L'homme du livre, qui est extraordinaire. Un peu plus quand même. Même, l'homme du livre est...
Et l'homme du livre, d'ailleurs, pour le publier, c'est le seul livre de Driss qui n'a pas été publié en France. C'est moi qui ai amené le manuscrit au Maroc pour le faire publier par Edif et Ballon. Ouais. Parce que justement, c'est le seul bouquin que ces éditeurs n'ont pas. Ils avaient peur de l'éditer après l'affaire des versets sataniques, etc. Non. Là, non. L'homme du livre, il l'a porté 10 ans. Vas-y. Allô. Lui-même, Schreiber, pour en avoir discuté avec lui également, laisse entendre que c'est un livre inachevé. Je considère pour ma part, et ça c'est une lecture tout à fait personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut, ce n'est pas fondamentalement, je crois, le meilleur livre de Schreiber. Il y a là-dessus à discuter, dans la nuance. Non, de toute façon. Moi, je dis que c'est un de ses meilleurs, mais on peut en discuter. Il faut en discuter. C'est pour ça qu'il faut ne pas être d'accord. Mais Kassem. Non, rapidement, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. On me demande de libérer la salle parce qu'il y a... Non, attends, Kassem. Non, attends. Malheureusement, il y a un programme et donc il y a des gens qui attendent pour intervenir après. Je vais vous demander simplement, vraiment en deux phrases, chacun de conclure. Et je suis désolé par rapport à la salle, on peut continuer la discussion à côté, mais on va libérer la salle pour nos amis. Je t'en prie. Oui. Alors, donc, je voulais réagir à quelque chose, mais je passe à l'Fteh. Et je trouve que un martyr de notre temps, comme je l'ai dit dans ma conclusion, j'ai dit qu'il est composé à l'image d'une symphonie. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui sont joués un petit peu, qui ont l'air d'être éclatés, mais que par un seul mouvement, tout est réuni dans le dernier chapitre qui est très important et qui reste un chapitre à étudier à part. C'est-à-dire tout le travail de l'écrivain, toutes les astuces de l'écriture se trouvent dans ce dernier chapitre. Le chapitre 7. Et j'ai fait une toute petite réflexion sur le chiffre 7 qui revient très souvent chez lui. Voilà. Merci infiniment. C'est mon cher. Alors, moi, je tiens à remercier Younes. Je ne m'attendais pas à cette proposition qu'il m'a faite pour participer à ce livre. Et je n'ai rien d'autre à dire, sinon le plaisir que j'ai eu à retrouver des amis de longue date. Que nos chemins se croisent toujours à partir de la littérature, de la réflexion et de la pensée contradictoire qui seule conduit au débat et devient instructive et porteuse de promesses. Merci à toi encore, Younes, et merci à tous ces amis de longue date. Voilà. Je vais dire tout simplement, je vous invite à acheter et à lire cet ouvrage quand il va sortir, très rapidement, m'attendit, d'ici un mois maximum. Donc, parce qu'il est effectivement très riche. Voilà, donc, et puis il fait le tour de quatre profils d'écrivains très importants. Voilà. Alors, rapidement, deux mots, surtout à propos d'un écrivain qu'on n'a pas évoqué et qui est présent dans l'ouvrage, c'est Khayreddine, Mohamed Khayreddine. Non, il a parlé de l'Iftah. Voilà, Mohamed Khayreddine. Et la question, notamment, de servir un écrivain, de lui rendre hommage, de lui faire une place dans la société. Et Khayreddine, le ministère de l'Éducation a programmé un de ses romans. Ce qui, voilà, il était une fois un vieux couple heureux, ce qui est une façon de servir, de mettre sous les lumières, etc. Mais antithèse, il a été mal servi, très mal servi, parce qu'on a justement programmé le roman qui ne représente pas vraiment l'écriture de Mohamed Khayreddine. Voilà en ce qui concerne ce premier point. Deuxième petit point. Et là, toujours en continuité avec le fait de servir un écrivain, de lui rendre hommage, notamment Edmond Amran El Malah. Je pense qu'actuellement, il y a une effervescence, il y a un retour, notamment à travers la réédition par la fondation Edmond Amran El Malah et la pensée sauvage
des quatre de Cérissi, et également par la sortie de plusieurs, quelques livres. Personnellement, voilà, j'ai édité Le Monde d'Edmond, Entretien, qui sont, ce sont des entretiens qu'on avait fait en 2009-2010, et un regard sur l'œuvre d'Edmond Amran El Maleh. Et je signale également que Mohamed Barada a sorti aussi un ouvrage écrit en arabe qu'il a consacré à Edmond Amran El Maleh. Voilà, merci. Très bien, merci infiniment. Et c'est vrai que cet ouvrage vient dans un contexte où il y a un regain d'intérêt pour ces auteurs-là, et c'est tant mieux. Je pense qu'il était temps, et encore une fois, je renouvelle ce vœu que ces œuvres soient traduites le plus rapidement possible pour être accessibles à un lectorat arabophone. Je vais passer la parole au président pour conclure, et merci. Non, merci infiniment. Il y aurait eu une des questions qui aurait été intéressante à discuter, mais bon, on fera un autre débat. C'est la question du retour. Comment le retour de chacun s'est passé? Il y a le retour de la personne, de l'écrivain, et le retour de l'œuvre. Et malgré ce que me disait, merci à Qassem d'avoir contribué à la traduction vers l'arabe de La Mer du Printemps et des books, c'est tout de même révélateur qu'une œuvre comme les books, qui date de 1955, ait été traduite et parue en arabe en 2021. J'espère que nous ne prendrons pas tout ce temps pour les autres écrivains. 65 ans, c'est un peu trop. Merci aussi à Jamia d'avoir rappelé les parutions derrière. Je crois qu'il faut... Abdallah, pardon. Moi, je suis un peu histoire, tout ça. Il y a l'effort de la croisée des chemins. Pour, à mon avis, les lecteurs, les 6 et les 5 de l'Iftah, dans une très belle édition. Hein. C'est bien fait. Hein. Et puis, les 4 de la fondation Edmond Amr al-Malah, 4 ouvrages parce qu'ils étaient totalement épuisés. Donc on peut les lire et on peut redécouvrir Edmond, Shraibi, Leftah et Khairuddin, bien évidemment. Ce qu'il y a aussi chez les 4, c'est une subjectivité radicale, me semble-t-il. C'est ça aussi un peu dans notre histoire, et c'est pour ça l'intérêt de ces 4 et l'intérêt de les réunir dans un même ouvrage. Merci à vous. Tabarakallah alaykoum. Thank you.